Et donc, on se retrouve après pas mal de temps pour continuer Horizon Zero Dawn. À la différence que quand j'avais commencé en stream, c'était sur PS4 et qu'actuellement, eh ben, je l'ai recommencé sur PC. Alors, c'était juste le prologue, c'était pas bien grave. Sauf que, la vie étant ce qu'elle est, j'ai continué une dizaine d'heures à peu près. Donc on n'en est plus exactement au même point. Et c'est parti. Alors il faut savoir que niveau équipement, j'ai quelques armes. Alors, excusez-moi, le son est très fort dans le casque. Je disais donc, j'ai quelques armes, quelques tenues. Rien de folichon, j'ai pas mal de ressources par contre. Ça fait toujours plaisir. Et puis, j'ai fait quelques quêtes. Donc là, actuellement, celle que j'ai active, c'est la quête principale. On va voir s'il n'y a pas d'autres trucs. En terres étrangères, c'est quoi ça? Ouais, c'était très très loin, ça. C'est extrêmement loin. Les zones de chat, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Là, effectivement, il y a encore un didacticiel qu'il faudrait que je fasse. Oh. Mais bon. Et donc là, je continue la quête principale et évidemment, en cours de route, on va aller faire la fleur de métal. Ça, et... C'est quoi? Est-ce que ça c'est un creuset? Ça c'était le creuset. Creuset Sigma. Oh, remarque, ça y ressemble, hein? Symbole. Donc je pense qu'on va s'avancer... Comment on va s'avancer d'ailleurs? Est-ce que j'essaye de passer la montagne et après je descends vers ça? Ça peut être un bon plan, ça. Je pense que, dans un premier temps, on va s'arrêter par là. Allez, go. J'aurais dû faire un petit déjeuner consistant. Est-ce que c'était bien par là, le chemin? Non, pas du tout. J'aurais dû descendre. Le fond de l'air est frais, le fond de l'eau aussi. Attends, qu'est-ce que t'as à faire là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est qu'il faut que je passe. Ah, là en bas. Ah là 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 là. Au-delà des terres sacrées, je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Qui étaient les tueurs? Comment ils m'ont vu dans son focus? Qui est cette femme? Celle qui me ressemble. Pourquoi ils veulent ma mort? Les traces d'Olin mènent vers Méridian. Quand je l'aurai, il parlera. Et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. Bon, du coup, elle a pas mal résumé les intrigues, ça m'arrange. Encore un feu, on va l'allumer. Même si ça ne sert à rien. En fait, voilà, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire, même si le jeu commence à dater,
parce qu'on parle de la sortie de la suite quand même. Malheureusement, toujours sur console. Sur console, pardon. Console. Non, on va pas monter. On va continuer la route qu'on m'a dit. Et oui, je dis malheureusement sur console parce que j'aime pas du tout ce genre de jeu sur console. D'ailleurs aussi pour ça que j'avais arrêté. Et du coup, oui, l'histoire. Donc on est né dans un village assez reculé. Pour une raison absolument inconnue, on nous a mis hors du village sous la protection d'un homme qui était lui aussi banni du village. Ross, et c'est lui qui nous a élevés, qui nous a enseigné la survie et tout ça, et tout ça, et tout ça. On sait jamais, ça peut servir. Évidemment, étant héroïne du jeu, on s'est aventuré là où il n'aurait jamais dû aller, là où elle n'aurait jamais dû aller, pardon. Et on s'est retrouvé avec un petit machin sur la gueule, qu'on voit ici sur son, au niveau de l'oreille, au niveau de la tempe, et qui nous permet du coup de faire apparaître tout un tas de choses, notamment toutes ces machines absolument folles qui ont pété un câble, et plein d'autres choses, hein, donc tous les animaux, tout ça, tout ça. Sauf que on a décidé qu'on voulait savoir qui était notre maman. Ce qui est, ma foi, fort compréhensible. Hein. Après tout, je suis certes orphelin, mais je pense que ça m'intéresserait aussi de savoir qui sont mes parents. Et pour ce faire, et ben ma foi, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait nous aider, c'était les chefs du village. Je garde ça. Sauf que, comme on avait été banni, oula, pas spécialement envie de me battre là maintenant. Sauf que quand on avait été banni, ben, la règle du village fait que on n'a pas le droit d'adresser la parole à qui que ce soit. Même entre bannis, normalement. Il s'avère que très peu de bannis suivent ces règles, heureusement. Et donc la condition pour pouvoir avoir nos réponses, creuser Ro. Bien creusé. Donc. C'était de remporter une épreuve, l'éclosion, qui est censée faire de nous des braves, des machins. Super top, chouette, cool, mout mout. Ce qu'on a fait, remporter haut la main malgré les différents pièges tendu par les concurrents et autres personnes réfractaires à notre revenu. Sauf que pendant l'épreuve, on s'est fait attaquer par des gens mystérieux qui ont tué tout le monde sauf nous. On a eu de la chance. Plutôt, on était les meilleurs. Quelle arme?
surtout en faire des flèches. Non, vous savez quoi, on va faire... Ouais, c'est bon, j'ai de nouveau des câbles. Oui, j'étais un peu en dèche de câbles électriques. Il veut pas me regarder, il m'aime pas. Sérieux, il est pas mort? Les autres n'ont rien remarqué. Ah bon, on va faire ça. Là, ils sont côte à côte, ça va être compliqué. Il y en avait pas 4? T'es fait la malle le dernier? Hey, montre-moi ton œil. J'ai dit, montre-moi ton œil. Non, je suis là. Bande de nazes. Pas cette fois, petit. Bon, après, il n'y a pas grand risque avec eux. Hein. C'est les machines les plus faibles qui soient. Mais ouais, j'aime bien. Le gameplay arc, c'est mon truc. Le sneaky. Le lâche. Ah. Alors là, on a un problème. Comment qu'on passe de l'autre côté ? Voilà qui devient compliqué. Voilà qui est bien compliqué. On peut passer par là. Ouh. Trouver une entrée. Je suppose qu'il va falloir qu'on descende. Là voilà. Alors, je sais plus où j'en étais dans les explications. Pas bien grave. Aïe 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 aïe. Je m'ai raté, je pensais sauter plus loin. Non, me dis pas qu'il faut que je redescende tout. Il y a un liquide qui coule dans ce tuyau. Il y a un liquide alors. Alors, redescendons. Prenons la safe way. Et du coup, oui, donc je disais, pendant l'épreuve, on a été attaqué par des inconnus. Et après enquête, il se trouve que ils sont équipés eux aussi. Je suis pas la première à chercher à entrer. Quel gâchis. Quoi ? Ah oui, effectivement. On peut aller ben loin. Ils avaient donc un truc de technologie comme ça aussi accroché sur eux. Et pendant l'éclosion, on a rencontré un homme assez étrange. Qui se cachait très clairement. C'était facile quand j'étais petite. Ils étaient curieux eux aussi. Mais je suis mieux préparée. J'espère que ça suffira. Et du coup, on s'est rendu compte en consultant. Oula. Ah ouais, direct. Endommagé, la turbine peut inverser son sens de rotation. Cet appareil circulaire, à quoi il sert ? Ok, ouais. On dirait que les choses tournent à mon avantage.
Hop là. Si jamais il y a besoin de fuir, on le remet dans le bon sens. Mais avis qu'on reviendra plus par ici. Et du coup, ouais, ceux qui ont tenté de nous tuer, en fait, ils avaient dans leur appareil une image d'une femme qui nous ressemble, mais qui n'est pas nous. Qui est une femme avec les cheveux courts, qui nous ressemble énormément, mais qui n'est pas nous. Et du coup, évidemment... J'en aurais sûrement besoin. Les vieilles... les matriarches, les chefs du village, nous ont dit qu'en fait, c'était la montagne qui nous avait donné naissance. Et la montagne, bah, y a une porte qui ressemble comme à deux gouttes d'eau, celle qu'on vient d'ouvrir. Un truc comme ça, là, sauf que c'est tout rouillé. Évidemment, on nous a pas laissé la pirater, hein. Ce serait bien trop facile. Comment traverser cette barrière? Nom de Zeus. Il y en a d'autres. Oui. Un ravageur de niveau 20. Quoi? C'est quoi la quête? Non. Y a pas un truc qui est apparu quand je l'ai scanné là, je suis devenu fou. Bon bah visiblement je suis devenu fou. Alors j'essaie de viser sous son ventre. Aïe. Aïe, 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 aïe. Il faudrait que je me soigne. Aïe. Aïe, aïe. Et mince. Ah, laisse-moi sortir. Ah non. Hein. J'ai senti arriver, mais j'étais trop lent. Allez, il faut mourir là maintenant. Oula, c'est quoi ça? Ah non! C'est pas du jeu ça. Oh boy. Mince.
Eh ben, van Dieu. C'est vrai que j'aurais dû faire des pièges et des trucs comme ça, je pense. Ouais, mais s'il y a des super armes que vous me dites pas aussi. Ah. Appuyez sur E pour poser le canon. Mais je veux pas le poser en fait. Je voudrais tirer avec. Alors il faut que je vise peut-être. Ah, ok. Bref. J'aurais peut-être dû me servir de ça. Alors, voyons voir. Soignons-nous quand même. Par ici, il n'y a rien. Merci. Quand tu veux. Ok. Eh ben, ça passe. Super, je devrais pouvoir passer. Évidemment, j'ai pas regardé ce que t'as ouvert parce que je suis mauvais. Qui me disent d'aller par là. Pas fou. Et par là, là, il se passe quoi? Ah voilà. Allô. Ah, pas exceptionnel, mais on prend. Nope. Ah, il faut que je remonte là-haut. Oh là là. Oh non, vraiment. On va faire comme tout à l'heure. Hein. Oui, accroche-toi s'il te plaît. Non. Merci. J'ai horreur de la vue à la première personne comme ça. Je sais pas où aller, je sais pas où est Face. C'est horrible. Bon. Notre voyage s'arrête ici. Ah ouais. Non. Parce que sinon on rentre dans le mur en fait. Et du coup c'est pas bon en fait. On est bon ? On est bon ! Larguez les alloys ! Ouais.
que là ça va, ouais. Non, regarde-moi plutôt. Tu vas me regarder moi? Allez! Qu'on est depuis le temps là. Bon. Premier assaut. Ah bah non. Ça m'arrange pas qu'il tombe. Je peux prendre l'avantage. Oh, saloperie. Il va arriver par où? Allez, salut, hein. Je vais faire profil bas. Oh bordel. Ça en fait beaucoup là quand même. Des hautes pattes. Ravageur. Veilleur. Jusque-là, tout va bien. D'aération, ok. Il y a quand même des trucs qui sont chelous dans ce monde. Ils sont là, ouais, faut pas aller dans les ruines des anciens trucs de métal, je sais pas quoi. Mais par contre, leur monnaie, c'est les éclats de métaux. C'est chelou comme bail, non? Qu'est-ce que c'est que ce bruit de fou? Ah ben. Bon bah du coup, on n'a pas le choix, hein. On ouvre et puis ils sont très derrière. On va passer en enflammé. Ah, je sais ce que je peux faire. Je peux faire ça. On va ouvrir la porte et reculer. Pourquoi ça lui a rien fait? L'arnaque.
Tu te tais. Bon bah visiblement... Je suis hors zone pour eux. Je suis là. Eh merde! Normalement, je vise mieux que ça. Belle trouvaille. Oh yeah! Ouch. Non mais vraiment, je l'ai raté. Allez. Ça, c'est fait. Ça, je le prends. Petit. Viens voir Tata. Bah, je crois qu'on est bon. Des champignons qui donnent de la vie. Parce que oui, ça existe. Un éclat de métal. Ouh, j'ai bien fait de le ramasser. Hein. Ouais, je sais pas trop où on va. On se laisse guider tranquillement. Oh, attendez. J'ai des appareils. Oula. Plus de batterie. Voilà. J'ai récupéré toutes les carcasses. Hein. Quoi ça? Liaison réseau, oui, forcément. Bon bah let's go. On sait pas où, mais on y va. Joyeusement. Oula. Peut-être pas rester avec les flèches enflammées du coup. Faudrait que tu t'accroches, merci. Voilà où je dois aller. Les
les entrailles de cette bête géante. C'est où? Tu l'as vu, mais moi pas en fait, hein. Donnez-moi de la vie. Donnez-moi votre vie. Ouf. Oh, j'ai vu au dernier moment qu'il y avait un trou. Oh la vache. Ah, on aurait été bien là. Trouver le noyau du creuset, mais je veux bien, mais... Voilà. On va se laisser guider par le... Par le level design. Là, je vous avoue. C'est ici que je dois aller. Ah bah tant mieux alors. Si on s'est pas trompé, c'est ce qui compte. Alors, on arrive à sauter jusque là-bas? Ah, mais c'est de l'eau. Mauvais port pour rien, les salauds. J'ai pas eu d'énigmes aquatiques encore, je sais pas s'il y en a. Ça serait intéressant. Pirater le noyau, alors... Vu comme on en a chié précédemment. Parce que oui, le premier, je suis rentré sans subtilité, quoi. Hein. Tu risquerais de révéler ma présence. En vrai, j'aurais peut-être dû les laisser. Pareil, j'étais en train de courir, je fais oh trop bien, ça a l'air sympa là-bas, s'il y avait très peu d'ennemis. Oh non, j'y étais là, c'est dégueulasse. Et du coup, je faisais pas spécialement attention. Si je pouvais m'avancer tranquillement ou pas, aïe. Oh, vas-y. Comment ça s'ouvre encore, ce bordel? Faut monter là-haut, je crois. Ouais, c'est ça. Allô? Que tu veux bien me dire que je peux... Non, non, bah non. Merci. Oh bordel, mais il y en a plusieurs. Aïe 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 aïe. Ouch. Non mais vraiment. Wouhou.
Allez. Est-ce que vous me laissez changer d'arme? Quoique. Oh non, mais vas-y là. Mais toute la zone, elle est horrible maintenant. Mais vraiment ? Mais je lui fais zéro damage. Mais... j'ai l'impression d'être très très lent dans mes inputs, c'est horrible. Sérieux? Mais toi aussi, mes manches, t'es mort. Ah, lui, il est mort. Bon ben voilà. Saleté. Ils sont où les cadavres? Quoi ça? Non, hein, parce qu'à chaque fois je commence à avoir un peu de vie en réserve. Je me fais défoncer. Allez, on va récupérer. Et récupérer. Y'a rien. Merci. Merci papa, merci maman. Là-bas, il y a encore un petit champignon médicinal. Et on peut y aller. Que pour le LOL, on ferait pas ça. Le faire. Yeah! Oh hell yeah! Je peux pirater plus de machines. Et c'est sur ce creuset réussi 100% que, amis de YouTube, nous quittons. À très bientôt, je l'espère.